La campagne. 2020. Ça démarre ici, Toulouse. Hein? Ensuite, le 9 août, on a Toulon. On va dire le nom d'équipe ou pas de Toulon? On fait un tour de France comme ça. Donc on n'a pas toutes les équipes dans la même salle qui s'affrontent les unes aux autres. Bah, on fait comme on peut, on va s'adapter. Donc vous démarrez, vous ouvrez le bal. On est en 1809. Je vais venir tout à l'heure. Ouais, c'est bien. Tu feras un doublage c'est fou. Donc 19 septembre, Paris. Et novembre, on va avoir deux équipes qui se retrouvent. Les Clermontois qui sont top ici. J'ai eu le téléphone. Bon esprit et tout, c'est vraiment bien. Il y a Hugo, il y a deux potes à lui. Et le Bordelais, il y a Nicomet et toute cette bande-là. Enfin, je dis Bordelais, c'est plus simple, mais c'est plus là. Périgneux. Il y a, Marc qui va nous rejoindre, qui bosse sur les Suédois, Marc Dodino, là. Donc ça va envoyer bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe au total? C'est qu'il y a pour la musique, il y a 28 joueurs qui vont en 2020, d'ici la fin de l'année, se retrouver. Je peux pas baisser le son. Pas. Il y a 5 équipes pour l'instant. Télé. Non mais bon, c'est bon comme ça. Allez, vas-y. Anglais ou autrichien allié, donc contre toi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'esprit de tournoi, surtout pas d'esprit de tournoi. Alors comment on répartit les comptes? Parce qu'on nous a dit l'année dernière comment vous répartissez, comment vous dites qui est le premier de la campagne, etc., etc. Donc en fait on fait 30% de points de victoire. On a un total, donc ça montre bien qu'écraser l'adversaire, c'est anecdotique. On veut pas. Allez, salut les affreux, on se retrouve pour un compte rendu un peu spécial puisqu'il s'agissait de batailles jouées lors de la campagne Légion d'honneur, campagne officielle qui a eu lieu à Toulouse le 26 juillet, organisée par les créateurs de la règle, hein, Jérôme et Reynald, qui étaient présents sur place. Et donc cette campagne sur Toulouse s'est jouée sur deux parties, une sur la campagne d'Espagne entre Français et Anglais, et une autre partie sur la campagne d'Autriche entre Français et Autrichiens. C'est sur cette dernière partie que je vais faire cette vidéo, puisque c'est celle-là que j'ai joué avec Raphaël, ou contre Raphaël. Et ici, vous voyez à l'image la table de jeu à l'échelle 6 mm pour représenter le placement des unités qui était défini à l'avance. Donc on voit les Autrichiens au premier plan, les Français en haut de la table, et le but pour chaque camp, c'était de prendre ce plateau. Il y avait également, en tout début de partie, un tour, on va dire, de reconnaissance qui permettait de déterminer quel camp avait l'avantage de savoir ce qui se passait au niveau du plateau.
Ça a une petite importance, pas très grande pour la suite de la partie, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. En fait, donc, sur ce tour de reconnaissance, chaque camp choisit un escadron de cavalerie légère. On résout immédiatement un combat entre ces deux escadrons. Et le vainqueur de ce combat, est le camp qui a l'avantage de la reconnaissance. Donc, il sait exactement comment est le terrain sur lequel on va se battre. Lors de ce combat, on utilise que le résultat du combat, c'est-à-dire le nombre de pertes. Il n'y a pas de phase de fuite, de test de fuite, et ainsi de suite. Par contre, les pertes sont comptabilisées pour le reste de la partie. Ici, en l'occurrence, c'est Raphaël avec ses Français qui a gagné le combat avec des chasseurs contre des chevaux légers autrichiens. Donc, il m'a infligé trois pertes, moi je lui en ai infligé qu'une seule. Et donc, c'est lui qui savait exactement comment était le terrain et le haut du plateau sur lequel nos troupes allaient se déployer. On retrouve le déploiement sur la table avec côté autrichien sur la droite un régiment de dragons à 4 escadrons, un bataillon de grenadiers sur la gauche de ce régiment, un bataillon de grenadiers, un bataillon de landwehr formé en ligne, suivi de deux bataillons de grenadiers, soutenu sur la gauche par deux canons de 12 livres et un régiment de chevaux légers. Tout ça constitue un corps de réserve, liste historique, hein, qui tirait de la liste des ordres de bataille de Wagram. Côté français, un régiment de chasseurs à 4 escadrons, sur lequel il y avait des pertes au début de bataille. Deux régiments de ligne, donc un à trois bataillons avec les voltigeurs détachés, et un deuxième un peu plus à gauche avec deux bataillons de ligne avec les voltigeurs détachés là aussi. À gauche de ce dispositif d'infanterie, deux canons de 6 livres attelés. Donc Raphaël va devoir les bouger pour les mettre en place. Et à l'extrême gauche du dispositif français, il y a un régiment de dragons. On va le voir ici derrière le bois. Il y a un régiment de dragons à deux escadrons. On voit les dragons avec le porte-étendard. Et donc au centre de la table, donc on voit le plateau sur lequel va se dérouler vont se dérouler pardon tous les Quand même un ordre par batterie et j'active chaque ou j'active la batterie globalement. Alors à chaque fois. Tu peux parce que c'est toujours alors un peu les fusil. Ordres de mouvement non, de toute façon c'est la batterie. Donc je l'active une seule fois. T'as pas le choix, tout le monde de prendre d'accord. Le mouvement en même temps. Donc on ne fait qu'un seul ordre parce qu'à chaque fois je donne des ordres. Ah, tu peux mettre non, mais tu jettes une fois le dé. Donc jette deux fois le dé ou une fois le dé. Tu jettes deux fois le dé quand t'as un capitaine qui attache à une des pièces. D'accord. En l'occurrence, moi j'ai un colonel expérimenté. Pourquoi? J'ai un colonel expérimenté. Et si t'as pas de capitaine, alors, si t'as rien. Tu peux pas avoir de colonel là sur l'artillerie parce que le colonel c'est au niveau de la division, c'est pas au niveau de la brigade. Ah merde, j'ai dépensé 15 points pour rien. Donc en fait, il faut une brigade, il sert à rien, il faut le sortir. Et t'as un colonel, tu peux avoir un colonel. Non, parce qu'à cette échelle-là. Mais c'est un capitaine, tu prends un il faut capitaine. Deux compagnies. Ah oui, si tu te le mets un capitaine, ouais, oui. Tu mets deux capitaines à une par pièce. Ou tu mets deux t'es capitaines. 8. Là, tu fais qu'un tir par. Au lieu de 15, t'as 16, t'es à combien de budget? Je suis non, si à 1294. Eh ben bien, c'est bon, mais t'as deux capitaines. Voilà. Deux capitaines, ok. Un par pièce. Ouais. Un par pièce, deux capitaines. Donc, mais j'ai okay. pas... donc là, du coup, ça résout tout, puisque tu fais un G à chaque fois. Ok, je fais un G à chaque fois. Tu dis, quand t'as un capitaine et pas de capitaine, tu jettes 2 dés, et si t'apprends du tout alors, j'ai pas de capitaine, j'ai une discipline pour toute mon unité. Ouais. Donc je tire. Pour toute mon unité, toujours un dé. Ouais. D'accord. Sur une des deux pièces, je mets un capitaine. J'ai ma discipline ou ma psychologie qui monte. Ouais. Donc du coup, comme j'ai une des deux pièces qui a la discipline qui monte, ouais. Cette pièce va mieux réagir aux ordres. Donc c'est implicite, mais cette pièce, elle doit tester pour elle-même. Ouais. D'accord. Donc elle va tester pour elle-même. Donc c'est que sur des ordres de tir, puisqu'elle est accrochée avec ses copains. Ça veut dire que sur les 8 canons qui sont là, 4 et 4, on a 4 qui vont peut-être tirer mieux. Qui vont ah non, mais pour le tir, mais pour le quelconque, le mouvement c'est un seul jet. C'est un seul jet, d'accord. Un mouvement, un seul jet, d'accord. On est d'accord. Donc okay. Là c'est des ordres de mouvement, donc je jette un seul là jet. Tu jettes, il va falloir qu'on l'explique, au plus bas. Parce que c'est pas le capitaine qui va aider, parce que de toute façon. Donc, j'ai deux capitaines, donc ils je jette. Pas se détacher. J'ai 8, donc, 9. 9 puisqu'ils sont. J'ai le général en chef. Général de division. C'est ça. Il n'y a pas un ennemi à moins de 6 pas, ouais, c'est bon. Donc 9. 4, c'est bon. Donc 4, ça va. On se retrouve ici pour un test un peu particulier puisque dans le premier tir sur mes tirs de canon de 12 livres, j'ai fait plus de 25% de pertes sur un des bataillons de Raphaël. Et donc Raphaël devait tester la réaction de ce bataillon, la psychologie de ce bataillon, pour savoir si ce bataillon partait en fuite. Donc j'avais des tirs, je faisais des pertes avec 4+, donc j'ai fait beaucoup de pertes, hein, avec du 12 livres, c'est meurtrier. Et donc il teste sa psychologie, il fait un 7, pardon. Il craque un pion tactique pour tenter de récupérer parce qu'il devait faire moins de 6.
pour passer, ou 6 ou moins, voilà. Il rejette, il fait 11. Donc il rate son test dès le premier tour, avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Et donc son bataillon, ici, qui est au centre, là on le voit en plein milieu du dispositif, ce bataillon va partir en fuite. On voit que les voltigeurs devant avaient pris des pertes aussi. Donc ici, pour le test, pour le mouvement de fuite, donc il a fait un 6 au dé. Donc on ajoute ce 6 à son mouvement de base qui était de 4 pas. Donc 6 et 4, 10. Et avec 10 pas, eh bien, il se retrouve en dehors de la table. Donc premier tour, déjà un bataillon d'éliminé pour Raphaël. Ça partait très mal pour lui. Psychologiquement, ça lui a mis un petit pet. Mais vous allez voir par la suite qu'il s'est bien ressaisi. Voilà, donc on voit ici, il m'explique que 10 pas, il se retrouve... le début du bataillon est en dehors de la table, donc le bataillon est éliminé et déjà perdu pour le reste de la partie. Fin du premier tour, on voit ici le placement des unités à la fin de ce premier tour. On voit une rivière sur la colline. Cette rivière, Raphaël savait où elle était, puisque en ayant gagné le tour de reconnaissance, c'est lui qui savait que cette rivière était présente à cet endroit-là de la colline. Ça n'a pas changé grand-chose, puisque les déploiements étaient définis d'office. Mais bon, moi je ne savais pas, j'ai découvert la rivière en arrivant sur le plateau. Donc on voit à droite les dragons autrichiens qui se sont réorganisés pour faire face aux dragons français qui se sont avancés. Les batteries françaises se sont avancées jusqu'à la rivière. Les bataillons français également, avec les voltigeurs en avant. Côté gauche, on voit le bataillon qui a disparu côté français. Enfin, deux bataillons sont partis en fuite parce qu'il y a eu deux tests. Les chasseurs français se déplacent entre la colline et le bois. Et moi, avec mes chevaux légers, j'essaie de passer derrière le bois pour essayer de prendre de flanc justement ce régiment de chasseurs français qui menace mon artillerie. On va voir comment ça va se régler par la suite. Fin du tour 2. Donc on voit ici les dragons qui se font face à chacun d'un côté de la rivière. Les dragons français tirent sur mes dragons sans faire vraiment de dégâts. Les batteries françaises se sont mis en batterie, prêtes à tirer. Les voltigeurs qui font feu, et avec en face d'eux les grenadiers qui eux aussi ripostent. Et un des deux bataillons français là, de ce régiment, qui s'avance, qui passe juste à côté de la rivière et qui va venir menacer mon centre. Donc là, je commence à déjà être en danger. Les voltigeurs du dernier bataillon, qui eux s'avancent et font des tirs aussi avec les grenadiers qui ripostent, donc ça n'a pas fait beaucoup de pertes. Et sur la gauche, Raphaël choisit de reformer son régiment de cavalerie pour faire face à mes chevaux légers, mais il accepte de prêter son flanc au tir d'artillerie, ce qui est très très dangereux. Il y avait deux choix possibles: soit il continue d'avancer pour menacer mon artillerie et il présentait son flanc à la cavalerie, ou inversement, il faisait face à la cavalerie et présentait son flanc à l'artillerie. Je pense qu'il a fait le mauvais choix. On va voir par la suite comment ça va se régler. Donc on voit ici toute l'infanterie française déployée et les canons français qui aussi sont sur le flanc des dragons autrichiens. Ça va être très très dangereux pour les dragons autrichiens pour la suite des événements. Voilà donc le déploiement avec les bataillons français qui ont pris beaucoup de dégâts avec les canons de 12 qui étaient assez meurtriers. On retrouve une vue aérienne où on voit l'emplacement des troupes à la fin du tour 2. Et on voit surtout ce qui va se préparer au tour 3, c'est-à-dire qu'il y a un gros danger pour moi au niveau du centre, puisque la Landwehr en ligne risque fortement d'être chargée par le bataillon français qui est monté sur le plateau. Moi je me dis à ce moment-là qu'il ne va pas le faire parce qu'il va complètement s'isoler en faisant ça, sachant que les régiments de grenadiers qui sont autour, eux, ne bougeront pas puisqu'ils ont la caractéristique stoïque, c'est-à-dire qu'ils ne testent pas leur morale s'il y a des fuites autour d'eux ou s'il y a des pertes de combat autour d'eux. Donc je me dis qu'il ne va pas le faire. On voit également que sur les ailes, les cavaleries sont en danger parce que les batteries sont prêtes à faire des tirs de flanc. Il suffit de faire quelques petites roues à gauche ou à droite pour pouvoir prendre de flanc les régiments de cavalerie et ça va certainement les faire fortement souffrir. Donc on va voir ça de suite dans le tour 3. Une vue rapide du tour 3 où on voit le bataillon donc, qui a bien chargé la Landwehr. On voit un peu plus haut sur la gauche le tir de canon qui a fait 8 pertes sur le régiment de chasseurs, qui ont quand même chargé mes chevaux légers, on va voir l'issue plus tard aussi. Donc tir de flanc, ils vont devoir tester. Et ici, mes dragons ont été pris de flanc aussi, ils ont perdu la moitié de leur effectif, donc ils sont en déroute directement. 6, c'est bon. Tir. T'as combien de base? 6, j'ai 8. Bienvenue, qui embrasse les Toulousains, tiens.
8, 9, oui, c'est bon. 10, moins 1. Même le moins 1, il n'y a pas de problème. Donc le tir, donc j'ai les deux rangs qui tirent. Oui, si tu veux. De toute façon, ça changera. De toute façon, mais c'est pour le plaisir de voir voler encore des dragons. Donc 10 tirs à. Les dragons, un mousquet à capture. 10 tirs à 6. Alors, le dragon. D'accord, 10 tirs à 6. C'est 8 plus. C'est 8 plus. Ouais. Donc, tu veux le faire tirer de son cheval ? Non. Pardon. 5 plus. Une perte et. 6 plus. Attends, c'est pas. 10 tirs à 6. Ouais. Une perte et 10 plus. Donc, une perte. Et 6. 10 plus. 2. Donc, une 10 plus. Une perte. Oui, d'accord. On se retrouve à la fin du tour 3, où on voit les dragons ici qui sont donc partis en déroute. Donc les dragons français qui ont fait leur tir, et l'artillerie aussi qui a fait son tir de flanc. Les voltigeurs français qui continuent leur tir avec des tirs de riposte de la part des grenadiers, donc sans vraiment beaucoup de pertes. Un peu plus au centre, donc on voit le bataillon qui a bien fait fuir la Landwehr, qui l'a rattrapé, donc qui l'a éliminé, et qui se retrouve donc en désordre au milieu des lignes autrichiennes. Les grenadiers autrichiens donc, sont toujours sur la colline en attendant certainement une charge du français et les deux derniers bataillons français donc ils sont aussi sur le plateau qui préparent certainement une attaque. Voilà, les voltigeurs français ont pris quelques pertes, une perte sur les tirs. Les canons donc ont fait leur tir de flanc sur la cavalerie et le résultat de la cavalerie ça a été que sur le tir de flanc donc les chasseurs sont partis en fuite. Et par contre, ils ont gagné leur combat contre les chevaux légers. Les chevaux légers sont aussi partis en fuite. Et sur les G2D déterminant la distance de fuite, eh bien, ces deux régiments sont sortis de la table. Donc les deux régiments sont éliminés. Donc voilà pour la fin du tour 2. 3, pardon, du tour 3. On retrouve ici une vue du ciel de ce tour. Donc on voit bien ici le régiment à droite, le régiment de dragons autrichiens qui part en déroute. Et sur la gauche, donc il n'y a plus rien côté français, côté autrichien. Les deux cavaleries sont sorties. Et on voit le bataillon français qui a fait le trou au centre. Les bataillons de grenadiers autrichiens ne bougent pas puisqu'ils sont stoïques, comme je vous expliquais. Et qui ne subissent pas, au moral, ils ne subissent pas les pertes ou les fuites qui se déroulent à leur proximité. On voit quand même le français bien établi sur le centre, mais un peu faible en niveau nombre, puisqu'il n'y reste que deux bataillons. À part celui qui est au centre du dispositif autrichien, il ne reste plus que deux bataillons. Et on va voir par la suite comment les combats vont se dérouler. Petit aparté avec la table de la campagne d'Espagne, où on voit les Français en bas de l'image qui étaient affrontés aux Anglais en haut et à gauche de l'image. Les Français occupaient une abbaye au centre de la table qui a été mise au feu par les Anglais. En pensant les déloger, mais en fait ce bataillon français n'est jamais sorti de ce bâtiment. Il a résisté tout le long de la partie, il a subi quelques petites pertes, mais jamais vraiment beaucoup de pertes. Il a pu résister toute la partie, ça a été assez amusant, il a pu résister dans le feu, dans l'abbaye. On revient sur la table Autriche au début du tour 5, ou fin du tour 4, comme vous voulez, où on voit donc les mouvements, donc on voit les dragons français qui ont traversé la rivière, qui se retrouvent en désordre, mais qui menacent le flanc autrichien. On voit le bataillon français qui était au centre qui est en train de se reformer. Et sur la gauche, donc les grenadiers autrichiens qui attendent de pied ferme, qui commencent à s'orienter en prévision d'une attaque future contre les bataillons français. Donc les bataillons français qui se réorganisent. On voit un deuxième bataillon qui vient partir sur le flanc droit. On le voit ici dessus qui vient partir sur le flanc droit pour venir attaquer les grenadiers. Et donc le bataillon français que je vous disais qui est au centre se reforme. Et qui vient menacer le flanc du bataillon de grenadiers restant à droite du plateau. Voilà, ce bataillon de grenadiers va faire un certain mouvement au tour suivant, qui va influencer encore le reste de la partie. Fin du tour 5, on voit ici le bataillon de grenadiers qui est parti en fuite suite à un tir de flanc du bataillon français. Et donc en partant en fuite, il se retrouve donc dégagé de ce bataillon français. Mais par contre, il se retrouve menacé par le régiment de dragons qui, lui, est monté sur la colline, mais en désordre. Donc, il y a peu de chances qu'il charge. Et donc, il va falloir que je fasse quelque chose avec ce bataillon de grenadiers pour éviter d'être chargé de flanc par les dragons. Au centre, donc, les voltigeurs sont toujours en place côté français. L'artillerie se réoriente, mais ne servira à rien. Ça ne lui servira à rien du tout. Et ici, les bataillons français s'avancent pour, euh,
pour clairement venir combattre les bataillons de grenadiers autrichiens qui eux aussi se sont avancés. Donc on peut soupçonner une énorme mêlée qui devrait avoir lieu dans peu de temps au centre. On voit tout au fond là-bas des voltigeurs qui eux sont partis en fuite suite à des tirs. Ils ont perdu plus de 50% de leur effectif et donc ils partent en fuite directement derrière la colline. Voilà donc la vue de la table, comment ça se situe vers la fin de la partie. On approche de la fin de la partie, il reste encore quelques tours, mais on imagine les grosses mêlées qui vont avoir lieu dans les tours suivants. Fin du tour 6, le bataillon grenadier s'est reformé en bataillon masse pour faire face à la cavalerie. Les bataillons français sont bien sur le plateau. On voit qu'il y a une mêlée entre un bataillon de grenadiers autrichiens et un bataillon français avec une défaite des Autrichiens, mais comme ils sont tenaces, ils restent en place, ils restent au combat. Et donc ce combat va durer sur les tours suivants. Et on voit que sur les flancs de ce combat, il y a un bataillon de grenadiers qui vient menacer le flanc français. Et un bataillon français, lui, qui vient menacer le flanc autrichien. On va voir au tour suivant comment tout ça va se dérouler. Et on voit au loin l'artillerie française qui se réattelle pour essayer de revenir vers le centre de la table pour essayer d'apporter un soutien d'artillerie. Fin du tour 7, on voit le dragon français qui ont reculé, ont fait un tir, et on voit que j'ai raté une occasion en or, puisque moi j'étais. Lui il était en désordre, et j'étais à moins de 2 pas avec mon bataillon masse, et j'aurais pu le charger. Je m'en suis rendu compte après qu'il était en désordre, j'ai raté cette charge là. Donc moi j'ai juste fait un tir. Le bataillon français qui est sur le plateau lui aussi s'est formé en ligne pour me tirer dessus, sans vraiment faire beaucoup de dégâts. Et on voit au centre que les combats ont eu lieu, donc il y a eu. La fin du combat central avec les deux prises de flanc des deux bataillons grenadiers et autrichiens, grenadiers autrichiens et bataillons français, pardon. Donc tout le monde est parti en fuite sauf le bataillon autrichien qui était sur la gauche du combat qui faisait la prise de flanc, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il était stoïque et donc il ne teste pas. Il est stoïque, il est tenace, pardon, et donc il ne teste pas. Donc lui est resté formé. Et en place, on le voit ici derrière les nuages de fumée. Et tous les autres bataillons sont partis en fuite. Voilà, donc en gros, le vainqueur de ce combat, on va dire que c'est ce bataillon-là, puisque lui reste en place et tous les autres partent en fuite. C'était la fin de cette partie, à ce moment-là, puisqu'on arrive au tour 7. Plus grand monde était encore indemne. Le résultat de la bataille, c'était un match nul, puisqu'il y a eu beaucoup de dégâts des deux côtés. On a perdu aux alentours de 550, entre 550 et 600 points de budget, ou 550 et 590 points de budget de part et d'autre. C'est moi qui en ai perdu le plus. Mais l'écart n'était pas suffisant pour arriver à départager un camp. Et au niveau de la campagne, c'est pareil, puisqu'on est quasiment à égalité au niveau des unités en désordre, dissoutes et compagnie. Et donc on va dire que c'est un match nul. Par contre, c'était un combat très très sanglant, beaucoup de pertes à chaque côté. Donc ça vient en grande partie aux canons de 12 autrichiens qui ont fait des dégâts d'entrée de jeu dans les bataillons français. Ça vient aussi en partie aux tirs de flanc de l'artillerie sur les dragons autrichiens. Et puis ça vient de ces combats qui ont été vraiment très meurtriers au centre gauche autrichien, je dirais, où il y a eu 4 bataillons en mêlée. Qui ont combattu férocement et pour au final partir quasiment tous en fuite. 3 bataillons sur 4 sont partis en fuite. Seul un bataillon de grenadiers autrichiens, pardon, est resté en place. La partie s'est arrêtée sur ce tour-là, au bout de 7 tours donc, avec donc, comme je vous ai dit, un match nul entre les deux participants, entre Raphaël et moi. Ça a été une partie super agréable à jouer. On a fait plein de choses qu'on n'avait jamais fait encore, comme des combats à plusieurs bataillons. On n'avait jamais non plus joué avec une batterie de 12 livres, donc on a appris beaucoup avec ce canon de 12 livres. C'était, comme je vous l'ai dit au début, c'était deux listes historiques, hein, donc parfaitement envisageables en termes d'histoire. Et au niveau du jeu, on s'est régalé avec des mouvements, des charges, des attaques, des tirs, des replis, des reformations. Enfin, on a joué beaucoup de choses de la règle de jeu. On a encore appris beaucoup de choses aussi. Et ça a été vraiment très agréable de jouer cette partie. On doit cette partie, donc, comme je vous l'ai dit, à Jérôme et Reynald, hein, les auteurs de la règle, qui nous ont préparé ça et qui nous ont préparé ça comme des chefs. Voilà. Donc j'espère que ce compte rendu vous a plu. J'espère en faire d'autres très prochainement, dès qu'il y aura d'autres parties. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, les affreux. Allez, ciao.